Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre premier YouTube Live de 2021. D'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année, surtout une bonne santé et des bons vols, pas trop de crash. Et si jamais vous avez des crashs, ben, on va vous montrer comment les réparer, qu'on ne voit plus ça. Ce soir, notre guest dans notre studio ici, c'est Tommy Van den Berge. Il est Team Pilot avec son fils Gauthier depuis quelques années. Et bon, Tommy, dis-nous quelque chose sur toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis Tommy. Je viens du tout au fond de la Belgique, de Virton. J'ai un studio au Grand-Duché de Luxembourg qui est fort spécialisé dans des illustrations, dans l'aviation, autant que RC qu'en vrai. Et voilà, maintenant, Team Pilot, c'est très bien gentil. Honnêtement, dans le RC, je pense que c'est 3-4 ans qu'on est dedans. Je sais le démarrer et il va partir, mais on ne reverra peut-être plus jamais. Hein, c'est surtout mon fils Gauthier qui vole avec. Et bah, moi, je m'en occupe de... C'est le sponsoring, le principal. Ah oui, ok. Et le support technique. Oui, c'est ça. Oui. Bah, si vous voulez le dire comme ça, ça marche aussi. Ok. Il faut aussi. Hein. Bon, ça fait plaisir qu'il y a beaucoup de gens déjà. On a 65, une 70 personnes présentes, même de l'Espagne. Bonne soirée et ça fait plaisir que vous êtes là. Donc, c'est Tommy qui va surtout faire... toute l'explication ce soir. Moi aussi, pour moi c'est assez neuf, donc je vais aussi poser des questions. Ouais, superbe F-16. Derrière, c'est aussi le Freewing que Tommy il a complètement personnalisé. Et ce soir, ici on a un Spitfire de 1,50 m, plus ou moins, de Freewing. Et donc Tommy, il a déjà préparé une partie. Et bon, on va regarder comment il a fait ça. Il va tout expliquer. Et on va travailler un peu dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser par le chat. On essaye de les répondre au mieux possible. Et la vidéo, Eric, oui, tous les vidéos du live sont dispo sur notre chaîne YouTube. Donc surtout, suivez-nous sur la chaîne YouTube et vous pouvez tout revoir après. En voor Eddy, ja, Eddy, vorige week was er een Nederlandse sessie. En volgende week maandag is de tweede Nederlandse sessie. Daarom doen we het in het Nederlands en in het Frans. Dus om de week Nederlands, om de week Frans. Dus beter dan kijken in de Nederlandse versie. Ce soir, c'est pour les Français, pour les francophones. Mais bon, Eddy, c'est assez simple. Donc c'est aussi facile de suivre en néerlandais. C'est pas grave. Installez-vous. Faites comme moi. Prenez une bonne bière et profitez de ce soir. Bon, mes amis. Je pense qu'on va avoir pour une petite heure. D'abord, c'est un peu différent que la semaine passée en néerlandais. Donc je vais plutôt vous donner une explication générale de l'aérographe, comment l'utiliser, quand et pourquoi. Après, j'explique 2-3 techniques, mais pas plus. Et c'est comme Bert dit, posez surtout vos questions. On ne sait jamais qu'on sait vous montrer quelque chose ici en live. Et voilà, comme ça, c'est réglé et tout le monde est content. Hein? Comme j'ai dit dans l'intro, ben voilà, j'ai un studio d'illustration. Il y a 30 ans, ben, on a commencé avec l'aérographe. On n'avait pas Photoshop, une affiche ou une illustration. C'était de l'aérographe. Donc voilà, c'est déjà 30 ans que j'utilise ça. 30 ans, oui. J'ai toujours eu des bonnes aérographes, des Badger, des Steinbach, voilà, des bonnes marques. Il y a 3-4 semaines, Bert m'a passé un aérographe du marque Fengda. Et honnêtement, j'ai utilisé une fois. J'étais bluffé dès la première seconde. Il faut comprendre que voilà, des grandes marques d'aérographes, on a vite pour 180-200 euros que pour le pistolet. Ici, il ne faut pas... pour 150 et 200 euros, bah, on est parti. Entre 120 et 220 euros, on a un set complet. Quoi. Voilà. Ouais. Mais compresseur, aérographe, tous les tuyaux, quelques pièces de réserve. C'est vraiment, si vous hésitez jusque maintenant, c'est le moment d'essayer, parce que le prix est vraiment très 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 bon, et la qualité aussi. Hein. Vous allez voir que... d'ici une heure, bah, vous êtes tous des experts en aérographe. Ce n'est pas si compliqué que ça. Hein? Donc, va voir peut-être un peu sur le site d'Aerobertix. Il y a plein de modèles. L'une plus... Enfin, pas plus intéressant que l'autre. L'une plus adaptée à vos besoins que l'autre. Hein? Il y a des simples actions, il y a des doubles actions. Quelle est la différence? Ben, simple action et vous poussez sur le bouton, il y a de l'air et de la peinture qui sort. Double action, ouais. Là, on fait d'abord, voilà, on fait d'abord sortir l'air et après on met la peinture. Ce qui est un peu plus précis pour certaines choses, pour mettre un vernis ou pour du camouflage. Un simple action, ça fait l'affaire aussi. Donc, voilà, c'est un peu à vous de voir. Mais pour le prix, un double action, juste le 7, c'est 34 euros, juste pour le pistolet complet dans un paquet. Donc, il ne faut pas hésiter, prenez tout de suite un double action. Ouais. Tout à fait. Hein. C'est pour ça que c'est sûrement pas sur le prix que ça va jouer, ou ça doit jouer. Du simple action, bah, après c'est surtout le compresseur qui change le prix. Le modèle le plus simple ici, c'est sans réservoir, donc dès qu'il faut de la pression, le moteur ou le ventilateur il tourne, et celui qu'on utilise aujourd'hui c'est le FD196, c'est avec un gros réservoir. C'est parce que c'est en français qui dit 96. Non, 96, pas 96. Pour les Belges. Tout le monde comprend. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, ça, c'est un peu l'idée. Une simple explication de ce qu'on a ici. Ouais, parce que comme Jérémy, là, il marque dans le chat, c'est surtout l'entretien. C'est surtout, hein, si vous entretenez bien nettoyé après l'utilisage, tu en as une pour facile, disons. Bah, ça, c'est la grande fête de tout le monde qui utilise des aérographes. Quand vous avez fini, bah, démontez-le complet, nettoyez. C'est pas si compliqué que ça. Le Fengda, c'est encore mieux, c'est encore plus facile. Hein. La seule chose à faire un peu gaffe, c'est l'aiguille. Hein. Je sais pas, Bert, si tu veux... La boîte complète. Ça, c'est le modèle le plus gros, de 229 euros. Mais comme Tommy dit, on a 5 ou 6 modèles, entre 120 et 230 euros. Donc il y a plein de choix. Complet, ouais, avec pistolet, compresseur, les tuyaux, les pièces pour nettoyer, tout est compris avec. Et maintenant avec la petite formation avec aussi. Oui, donc c'est bien, c'est une bonne remarque, hein, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il est toujours propre. Quand vous avez fini, nettoyez-le, mettez un peu de l'eau, voilà. L'avantage avec les gros, les compresseurs plus grands avec les réservoirs, c'est qu'il y a aussi des pistolets de finition pour mettre une couche de vernis. Et avec les petits, ça ne va pas passer. Avec celui qu'on a ici, pour mettre une couche de vernis sur un avion, comme ça, c'est pas de problème. Ouais. Non, bah, voilà, donc, et ça notamment c'est une simple action, c'est le genre de pistolet que moi je pense à utiliser pour mettre un vernis ou une finition où vous avez assez avec une couche homogène, ouais. Voilà. Ouais, sur la fluidité de peinture, il y a déjà quelques questions, mais ça on va y arriver tout de suite. Ah, okay, je pense, oui, ce sont tous des bonnes questions, bien sûr. Je suppose que tout le monde, enfin j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins une idée comment ça marche, ou a déjà utilisé un aérographe, donc on va peut-être pas trop passer trop de temps là-dessus. Et on va passer à l'action, je pense que c'est la plus simple. Voilà. aérographe, pour moi, il faut savoir quand vous l'utilisez, mais il faut surtout savoir quand vous pouvez arrêter, hein, parce que je vois beaucoup des avions sur internet où c'est simplement de trop, hein. Ouais. Là tu parles sur le weathering, sur le weathering, tout à fait, oui. Hein, il y a des gens qui s'amusent avec des cure-dents, mettre des rivets dedans, ok, ça va. Il y a des autres solutions à ça, hein, petite masque, une petite boîte, planche en balsa, avec des trous forés dedans, vous avez votre masque, un coup d'aérographe et vous avez autant de rivets que vous voulez. Ouais. Donc ça, ce sont tous des petits astuces que je veux bien partager avec vous tous. Et si vous avez des astuces à nous donner, on est preneur aussi, ça c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore ajouter à ça? Pas grand chose en fait. La grande différence avec la semaine passée, donc la session avec Yann, est qu'ici on va faire en fait un peu l'inverse, hein, parce que sinon on a deux webinars qui sont la même, donc ça sert à pas grande chose. Yann a utilisé du peinture synthétique, très bien. Moi, je vais juste utiliser de la peinture acrylique sur base de l'eau. Voilà. Pourquoi? Écoute, voilà, pourquoi pas. Ce qui se passe est... c'est sur base de l'eau. Sur des avions thermiques avec de l'huile. Ça va tenir à base d'eau ou pas? Ah oui, c'est pas si fragile que ça finalement. Mais c'est vrai, voilà, en effet, hein, on a eu des gens qui nous ont posé la question, oui, mais peinture sur la base de l'eau, et s'il pleut, nous on ne vole pas quand il pleut. Et s'il y a 2-3 gouttes dessus, vous avez votre weathering tout gratuit. Hein. Le réaliste. Donc ça, c'est pas grave. Ouais. Et, en tout cas, tu peux toujours mettre une couche de vernis après. C'est ça, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est pas... Bon, voilà pourquoi l'acrylique. Parce que moi, je l'aime bien. Il n'y a pas d'odeur. Ça se nettoie très facile. Si vous êtes dedans, c'est écologique, blablabla. Mais simplement, il n'y a pas de mauvais, du bon... C'est un choix, c'est une préférence de ma part, et voilà, c'est très bien. Donc là, on va travailler en acrylique aujourd'hui. Weathering aussi, autre chose que Yann la semaine passée. Donc lui, il avait un système assez bien en fait, avec des masques. À la Grèce, je pense. Ouais, il a mis d'abord une couche en argent, puis on a travaillé avec la graisse, des endroits où il a mis de la graisse, il a mis les couleurs de nouveau dessus, et puis enlevé les couleurs pour que la couleur grise ou le métallique ressort, mais ça vous pouvez voir sur la vidéo de la semaine passée, et on va finir ça la semaine prochaine. Donc, qu'on vous conseille, hein, des vidéos de l'année passée, c'était en irlandais, mais c'est honnêtement assez facile à suivre. Donc là, c'était une certaine façon de travailler avec des masques qui était assez bien. Ici aussi, on va faire l'inverse, donc on ne va pas travailler sur une couche en dessous, on va tout de suite travailler sur la peinture existante, parce que quand vous avez un modèle existant, c'est pas toujours si évident de trouver la bonne couleur. Hein, les marques, ils ne communiquent pas là-dessus, Dieu sait qu'on a essayé, mais ils ne le donnent pas, et voilà, ça va vous foutre votre modèle en air, et ça c'est un peu dommage aussi, donc ça on va pas faire. Donc on va travailler sur la peinture, assez simple, je peux dire que j'ai fait exprès de faire la moitié de ce beau spit. Ça, on voit la différence. Du côté droite et côté gauche, c'est pas du tout le même avion, et ça c'est l'avantage de l'aérographe. Chacun maintenant, dans l'époque qu'on est des mousses, tout le monde a le même avion. Maintenant, après aujourd'hui, ça va changer, tout le monde va personnaliser son propre Spit ou Focke-Wulf ou n'importe quel avion. Et honnêtement, je pense qu'on a commencé vendredi soir. Avant, c'était encore tout vierge, comme là. On a passé un week-end dessus. Et voilà, je ne vais pas vous montrer des choses très compliquées. Je vais vous montrer ce soir, d'une façon très simple, très vite, que sur une journée, à la limite, vous savez personnaliser votre avion. Ce qui va faire la... oui, ok, hein, on aime bien y aller sur des shows et parler avec des gens. Mais si vous avez un avion qui est un peu customisé, ben voilà, quand il y a 5 spits sur le flight line, ils vont s'arrêter devant le vôtre, ça c'est clair et net. Hein. C'est comme ça, ça marche. L'attraction, comment tu l'as fait, blablabla, comme ça, comme ça, comme ça. Et après 5 minutes, on a 10 nouveaux copains et tout le monde est content. Donc c'est aussi un peu ça l'avantage de faire des choses un peu rebelles, si vous voulez. Yes. Allez, go. Bien, ok, go. Moi, j'aime bien raconter des histoires dans le sens, enfin, des histoires sur les avions, dans le sens que je ne commence pas comme ça sur un avion. Je veux que ça ressemble à la réalité. Quand Bert m'a filé le spit la semaine passée, je dis ok, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mon studio a l'honneur et le grand plaisir, surtout de travailler avec 349 Squadron de Kleinebro. J'étais un peu là-dedans et je me suis dit ok, ben voilà, pourquoi pas faire un Spitfire dans des couleurs du 349, notamment celui de Jeff Moreau qui nous a quittés il y a quelques mois, qui était le dernier pilote sur Spitfire encore en vie. Hein. Donc voilà. 349, bah, pareil, on a des Invasion Stripes, bah, après on va mettre des bonnes... bonne immatriculation. Merci Marco pour l'explication. La casserole bleue, hein, oui, voilà. 349 avec la casserole bleue, 350, la casserole rouge, bah voilà, ce sont des petits détails que moi j'aime bien ajouter. Hein. Faites votre recherche, regardez un peu, surtout qui est Belgian Air Force, le site de Serge Bonfond est très bien. Celui de mon ami Yves Van den Broek, Belgian Voices of the Sky aussi. Voilà, un peu de recherche et vous sortez sur un week-end avec un beau avion, on va dire comme ça. On va commencer. J'ai déjà fait beaucoup. La seule chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un genre de weathering. Parce qu'à nouveau, c'est mon ami Yves qui m'a bien signalé encore hier que ok, c'est très bien, mais il manque un bord jaune sur l'angle d'attaque. Ben, c'est parfait, on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on va faire, quelle peinture, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Si on sait répondre tout de suite, on va le faire. Ok, bon, c'est parti. Voilà. Moi, je vais donner un coup de main. Donc d'abord, on prépare la peinture, je pense. Oui, c'est ça, oui. À nouveau, hein, qu'est-ce que j'utilise? Moi, je suis fort fan de la peinture Vallejo, qui va être... oui, qu'on aura bientôt dans notre gamme. Oui, dans notre gamme. Ou du Tamiya acrylique. Hein, ça, oui. Donc, comment on va attaquer ça? Je veux que ce soit un peu un scénario, que l'angle d'attaque, comme tous les angles d'attaque, mange bien l'usure et voilà. Comment on va faire ça? Je vais prendre le plus cher outil que j'ai, c'est un crayon avec une espèce d'éponge dessus. On va tranquillement et contrôler, mais bon, quand même un peu à l'arrache, tamponner. Après on met une couche jaune au-dessus et après on va attaquer un peu avec l'aluminium qui sort d'un avion qui a déjà vécu. Un peu. Mm-hmm. Donc voilà, tout simple, tout le monde sait le faire. Là, si moi je sais le faire, il y a de l'espoir pour tout le monde. Donc là, on ne va pas préparer le bord d'attaque, on ne met pas de couche de couleur de base. Non. Aussi pour les lignes blanc-noir, T'as rien mis avant? Non. Tout de suite, la peinture, la couleur, bah, décressée quand même un tout petit peu, hein, parce qu'il n'y a rien. Vu que c'est de l'acrylique, ben, une trace de doigt, ben, ça va se voir. Donc il faut éviter ça. Voilà. J'avais prévu que Bert faisait ça, mais il a dit moi je fais rien. Ben, apparemment il est sérieux. Moi je regarde et je vais t'embêter avec des questions bêtes. Okay, il n'y a, voilà, pas de bêtes questions, il n'y a que des bêtes réponses. Là-dedans, je connais plein de trucs, mais là-dedans pour moi aussi c'est neuf, donc je regarde. C'est ça qui est beau. Donc voilà, on a notre petite éponge. On va commencer, hein, ici, tranquillement, mettre de la peinture. Je ne sais pas si c'est bien visible du caméra. On doit changer de caméra, mais... peu importe. Hop, 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 hop. N'a pas peur, il ne faut pas être Michelangelo pour ça. Hein. Peut-être un peu Picasso, mais à part de ça... C'est vraiment l'effet qu'on cherche d'une peinture usée, des copeaux de peinture qui sont partis pendant le vol. Ouais. Donc on a la question si l'aérographe est possible sur la mousse. Oui, bien sûr. La semaine passée, là, on travaille avec la peinture acrylique à la base d'eau. Mm-hmm. La semaine passée, on a travaillé avec des peintures synthétiques. Ça ne bouge pas. Hein. Donc ça ne bouge pas du tout. Bien sûr, à un moment donné, si vous mettez que du thinner synthétique, ça va quand même manger un peu votre avion. Ouais. Mais comme vous pouvez voir sur la vidéo de la semaine passée, aucun problème. Et la semaine prochaine, on va continuer à finir le Lavochkin derrière nous, qui n'est pas encore fini. Mais ça, c'est en néerlandais. Mais comme Tommy dit, il n'y a pas, c'est surtout aussi de la façon de travailler que vous pouvez voir. Et bien sûr, pas de souci, je veux bien aussi essayer d'expliquer quelques trucs en français la semaine prochaine, mais c'est surtout en irlandais. Et c'est pour ça que ce soir, on le fait en français. Salut, Jaffrey, Logan, aussi chez nous. Comment va ton nouveau avion? Ça te plaît? Ah, il a eu la chance d'être livré par Vicos. Deux superbes extras de chez Extreme Flight. Là, il ne faut pas mettre du weathering dessus. Hein. Oh, pourquoi pas? Ils ont quand même sorti le Rebelle, ou comment ça s'appelle, avec le jaune. Ici, il y a Cyril qui demande, c'est pour la texture finale, le tamponnage, avant de passer l'aérographe? Tout à fait, oui. Ouais. Donc, si on passe tout de suite à l'aérographe, ben, on va d'abord avoir une surface très lisse, très propre. Ouais. Bah, c'est compliqué de passer après avec un tamponnage, parce que si on commence avec un bord d'attaque jaune, bah oui, on est obligé de mettre un jaune plus profond ou plus foncé par après. Et là, c'est l'inverse, donc là on ne va pas montrer la couleur qu'on veut, on va la cacher. C'est un peu pour ça que je commence d'abord avec une texture, et après, bah... Après, comme maintenant d'ailleurs, on commence avec l'aéro. Donc, c'est assez simple, n'a pas peur, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est juste le fait qu'on veut montrer que voilà, c'est utilisé. Donc aussi, l'aérographe sur l'Oracover, bien sûr, ça marche aussi. Mais là, je pense plutôt synthétique. Hein, ouais. Toujours bien dégraissé, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de secret. Ça marche très bien dessus. Mon premier avion F3 était Oracover et puis que de la peinture dessus. Donc là, pas de problème, pas de souci. Niveau... Oui, ça peut être un problème. Enfin, problème... avec des avions en mousse, si vous mettez du flock tape, ouais. Ben voilà, vous allez avoir un avion blanc, donc il faut toujours, je ne sais pas, moi j'ai le Tesa. Ouais, en Tesa tu as différents... C'est ça, oui. Et ça c'est le rose, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais je suppose c'est pour du tapisserie. Et voilà, il est très... colme très doux. Mais très doux aussi, bah, il y a assez de tutos sur internet aussi, des gens qui disent ok si c'est encore de trop, parce que j'avoue, quand on a fait le, notamment le Dark Falcon de Capitaine Vador, c'est couche sur couche sur couche sur couche. Et à la fin, oui, il faut être à son qui-vive qu'on ne retire pas la peinture, sinon on n'est pas bon. Des gens qui le mettent sur leur, sur leur pull. Ouais. Moi aussi. Ouais, tu peux faire le tien, tiens. Ouais, tu as assez de place aussi. Hein. Ouais, c'est parfait. Ouais. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question pour la peinture Tamiya, c'est un autre diluant ou tu peux le diluer à l'eau? Oui. Enfin, si c'est en acrylique, on dilue à l'eau. Maintenant, le comment et le combien, je pense qu'il y a autant de manières de diluer de la peinture qu'il y a des tutoriels sur Internet. Tu n'as pas de diluant spécifique pour le Tamiya? Non, non. Oui, du moment que c'est du synthétique. Oui, hein, donc, qu'est-ce qu'on a là, mais moi, je le fais à l'eau. Du moment que vous voyez acrylique dessus, on est bon. De l'eau. Okay. Un autre avantage de l'eau est quand on fait une bêtise, qui arrive malheureusement assez souvent, même pour moi, on prend un peu de l'eau et on efface. Et on recommence. Ouais. Mais donc il y a aussi des gens qui ont déjà utilisé l'acrylique sur l'Oracover. Voilà, moi j'ai jamais utilisé, mais apparemment ça marche. Okay. Donc c'est bien, on apprend tous les jours de tout le monde ici. Donc c'est bien que vous mettez vos expériences sur le chat. Magnifique. Parfait. Et ça marche tel quel ou vous mettez un vernis ou... Je suppose. Peinture Vallejo, donc c'est la peinture qu'on a commandée chez notre fournisseur. Voilà. Ce sera bientôt pour nous aussi, c'est nouveau l'aérographe. Donc on est petit à petit en train d'agrandir la gamme. Voilà, donc comme vous entendez ou même peut-être pas, le compresseur fait presque pas de bruit. Donc vous pouvez faire ça dans la living à côté de madame qui regarde la télé, pas de souci. Peut-être pas, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? J'utilise toujours des pipettes, notamment pour diluer la peinture. Je prends en général pour du Tamiya 4 gouttes de peinture sur 1 à 2 gouttes d'eau. Ça marche, mais bon, l'une couleur n'est malheureusement pas l'autre. Donc, c'est un peu trial and error. Essayez, tester. Et surtout, simplement mélanger un petit peu. Et tu mélanges directement dans le pistolet, dans le réservoir. Ça évite aussi qu'on est obligé de faire toujours des pots complets. Et tu fais un essai d'abord sur le papier. Ici, on va simplement tester si ça va. Voilà. Du jaune, bien sûr, c'est une couleur qui n'est pas très dominante. Il faut vraiment insister. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre une sous-couche d'un gris, quelque chose qui va un peu vers le jaune, pour faire sortir un peu plus ou plus vite. Et pourquoi tu as fait le tamponnage avant exactement? Justement, je ne sais pas si c'est très visible maintenant, mais vu que le jaune, c'est une couche très très fine, on va garder la texture de la peinture usée en dessous. Et ça nous donne vraiment l'effet de, ok, on la peint, mais voilà, faut savoir... Pourquoi ça? Pourquoi les D-Day Stripes? À un moment donné, fin de la Seconde Guerre mondiale, l'air était plein d'avions, autant des Anglais que des Allemands, et des bateaux et des canons, ça tirait sur tout ce qui se passait. Autant de l'ennemi que de l'heure. Donc à un moment donné, Churchill a dit, écoute les gars, il faut que ça s'arrête, on doit trouver une solution parce qu'on n'arrête pas de se tirer dessus. Donc ils ont mis des D-Day Stripes et le bord jaune d'ailleurs, mais ça c'était vite, hein. Des avions comme ça ne passait pas dans la cabine de peinture, pas de temps, hein. Et c'est pour ça que c'est pas grave si on voit quelques erreurs, hein. J'ai essayé de le faire, J'ai pas voulu trop insister, mais c'est ça, quand dans tout qui est Warbird, bah, il n'y a pas vraiment du bon ou du mauvais. C'est à vous ici essayer de faire. Oui. Alors, la question, si ça prend beaucoup de poids, mais je pense qu'ici, oh, sur un avion total, on va ajouter quoi, une dizaine de grammes, 20 grammes peut-être, mais vraiment, c'est presque rien. Hein. On va être très peu de couches. Bah, quelle technique pour ne pas que la peinture passe sous les masquages? Ah bah, justement, quand vous avez un tape comme celui-là, c'est le Tesa, je ne sais pas ce qu'est, c'est le rose. Ouais, Tesa, c'est et bah, si vous poussez, enfin, si vous fermez bien les bords, il n'y a pas vraiment de souci. On n'a pas aussi une allez. Tu mets combien de pression sur bon, le... Ici, je suis quand même à 4, 5. Ah, quand même. Oui, okay. Quand même, oui. Donc, moi, ouais. J'aime bien que ça souffle bien. Ouais. Maintenant, bah, voilà, ça c'est... Et au moment, la peinture, en fait, elle doit couler quand tu prends une petite brosse ou quelque chose. C'est ça, oui. Elle doit tomber. Bah, à l'école, ils ont toujours dit, oui, voilà, Jean l'a déjà dit aussi, on a un peu le même âge, donc on a sûrement eu plus ou moins la même formation. Chez nous, à l'école, ils ont toujours dit que ça doit avoir la consistance du lait. Maintenant, voilà, c'est pas très clair, mais du moment que faut tester un petit papier brouillon, si, ouais. si vous voyez que ça coule, bah, c'est trop liquide, vous mettez un peu de peinture et on est parti. Hein. Voilà, pas de souci. Donc là, on a fini, ça a l'air encore un peu mouillé, l'avantage est... C'est de l'air, donc ça sèche aussi. On met le page. Voilà, on va une fois montrer les résultats un peu plus. Donc là, je mets rien, je sèche. Voilà, on va une fois montrer de plus près ce qu'on a comme résultat. Peut-être un peu compliqué à voir sur le ouais, sur on YouTube. A commandé des caméras supplémentaires, ah, mais ça, alors. Ouais, rien dispo en caméra. Merci Corona. Ah, bah, ouais. Merci Corona pour tout. Des papiers cache. Moi, je mets toujours un band de tape. Bah, souvent, ça reste souvent 3 semaines dans mon atelier et ça colle toujours. Hein. Ouais, ça ne va pas. Et sur l'entoilage tissu, c'est Jean-Philippe qui demande, je pense. Ouais, ouais, ça marche aussi hein, sur l'Oratex, mais la texture est très fine. Ouais, tu n'auras peut-être pas la ligne si exacte, mais bon, sur l'Oratex, c'est surtout aussi des Warbird ou des vieux avions. Donc, ouais. Il y a encore du sorté quantique, il y a une texture spécifique type tissu. J'ai pas vraiment compris la question, mais bon, sur des avions, sur des vieux avions, ouais, on utilise l'Oratex. C'est une texture, une toile plutôt que l'Oracover lisse. Donc, ouais. Donc ici, comme vous voyez, bah, je sais le retirer assez vite. Ce Tesa, avec le tape jaune. Qu'on trouve ici chez Aerobertix, je ne sais pas la marque, mais là ouais, je suis un peu plus prudent. Voilà. Ouais, donc j'ai vu passer la question de Michel, quelle peinture on va faire chez Vallejo. Là en ce moment on a commandé juste la peinture de base airbrush, mais s'il y a de la demande on peut tout avoir, mais les références chez Vallejo c'est énorme, donc si j'ai bien vu, ils ont au moins 200 couleurs différentes dans la peinture normale, et en airbrush ils ont 60 couleurs, donc là on a commandé, si je ne me trompe pas, une vingtaine de couleurs. Ouais. Ah ouais, là on voit quand même que la peinture a passé un petit peu, mais ça on, bah, écoute, on va pousser un petit peu ou... J'ai fait un peu exprès. Ah ouais. Donc avec du tape où vous n'êtes pas très sûr, bah, l'astuce c'est de tirer le plus plat possible et en 45 degrés. Et là vous êtes plus ou moins safe. Voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai fait un peu exprès de passer. Il l'a fait exprès. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, où on a fait des erreurs ou des bêtises, on nettoie à l'eau. Et ça part. Hein. Vous voyez ça? Pas beau ça? Ce qui est plus compliqué avec de la peinture synthétique. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Voilà, le bord, oui, ok. Maintenant, rebelote, hein, le petit tamponnage, je prends quand même autre chose que ça, quoique, pourquoi pas. Je vais tout de suite passer, maintenant vous devez vous mettre un peu dans le bain et réfléchir, enfin réfléchir, c'est pas question de réfléchir. Être un peu logique dans, dans la façon comment vous appliquez ça. On voit les vieillages que tu as fait ici, donc c'est de même façon avec le tamponnage. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, okay. Ça, je vais vous montrer une fois de plus près. Oups, ici. Là, on voit un peu ce qui s'est passé et là on va faire la même chose sur le bord d'attaque, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà. Ouais, c'est déjà complètement un autre avion de ce côté-là. Là, on n'a rien fait, donc il sort de la boîte comme ça. Et à la fin, bah ouais, c'est autre chose. Hein. Bah, et surtout aussi, bah, ça a un âme. Hein, c'est un avion qui commence à vivre, ni seulement par son histoire, mais surtout bah, du moment que tu mets le plus simple trait de peinture dessus, ça devient votre avion. Et bah, voilà, c'est une pièce unique. Hein. Pareil, le Dark Falcon derrière moi, bah, je pense que tout le monde dit que c'est très compliqué à faire. Pas forcément, mais bah, voilà, quand on arrive à un show aérienne, bah, les gens s'arrêtent. Voilà, je pense d'ailleurs que c'est le seul en RC en Belgique. Donc ici, la même chose. On commence à... Bah, écoute, on va le mettre où? Ici. Ça va être subtil. Hein. Il faut vraiment pas beaucoup. C'est un simple couleur aluminium, de chez Vallejo aussi d'ailleurs, que j'ai pris pour ça. Voilà. Aluminium ou c'est du... Allez. Bah écoute, j'ai pas mes lunettes, donc... Ouais. Airbrush, acryl metal colors, mais c'est pas métallique, je veux dire. Ok, non. Donc, ouais. Bah, je fais un peu exprès. Aluminium satin. Voilà. Je fais un peu exprès de ne pas trop utiliser des peintures brillantes sur des warbirds. Ouais. À mon avis, ça n'existait pas à cette époque-là. Et d'autant plus, comme j'ai dit dans la traduction, l'aérographe, c'est vraiment un outil qu'on doit utiliser quand on veut, mais il faut surtout savoir s'arrêter et pas faire de trop. Et honnêtement, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur cette aile. Hein. Chaque fois que je vois cet avion, encore ici cet après-midi, bah écoute, on va encore faire ça, on va encore faire ça. Mais une fois que c'est bon, bah, c'est bon, et n'exagère pas. Quand j'ai fait mes recherches sur cet avion, à nouveau, hein, je suis tombé sur l'interview de Jeff Moreau, qui se trouve sur Belgian Voices of the Sky. Et lui, il disait, ok, du weathering, enfin, non, du weathering, ça n'a rien à voir. Lui, il disait, à un moment donné, on était dans l'armée et on était pilote. Et lui, il a refusé d'être pilote, il voulait être chasseur. Et il dit, voilà, nous, dans des spits, on n'était pas des pilotes, on était des chasseurs. Et ça veut aussi dire qu'ils ne volent pas avec des poubelles. Ok, on met un peu de taches, de l'huile, de ci et de ça, mais dans la mesure du possible, leur avion, c'était quand même toujours plus ou moins propre. Et c'est ça que j'essaye de faire, de ne pas trop exagérer, faire du weathering où on peut, où c'est logique, mais surtout... voilà, ouais. Dans le tamponage, tu as, as quelque chose de spécial, c'est un pinceau qui s'achète. Non, c'est formidable. Hein, je vois un corson, donc c'est quelque chose de... C'est un de tien d'ailleurs, mais... c'est le mien. Non, non, c'est un simple... je l'ai perdu d'ailleurs, un simple éponge. Ah, bah, voilà, ici. Une simple éponge, j'ai coupé un morceau. Et tu le mets là-dessus. Je l'ai dressé sur un crayon et finalement, c'est l'outil le plus cher de... mon voilà, écoute. Ou filtre aquarium. Ouais. Filtre aquarium. Ok. T'as mis mon peinture ouverte. Voilà. Ouais. Et donc tout ça aussi, tout est fait à l'aérographe, à part les pièces ici en aluminium, ça c'est fait avec l'éponge. Donc ça on va montrer maintenant. Ouais. On l'a fait. Je prends même la petite éponge complète. Ok. Je mets encore un peu de... peinture ici. Moi j'aurais envie de faire comme ça, des lignes. On peut, bah écoute, tu peux essayer, hein, mais si tu le fous en l'air, tu me donnes en avion. Hein, c'est le mien donc. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui. Ouais. Ouais, il faut qu'on parle. Ok, donc bord d'attaque, ça c'est assez simple. Hein, voilà. Je ne sais pas, Bert, si tu le vois ou si tu peux confirmer que c'est... Voilà, ici, on a fait sur le jaune, mais on peut continuer sur le reste aussi. Ouais. Moi, je pensais que toi, tu pouvais le faire, mais si tu ne veux pas... Moi, je tiens juste l'avion. Okay. Moi, je ne prends pas de risque aujourd'hui. Okay. Un bon Orval, non, non, mais quelqu'un qui parle de l'Orval... non, mais c'est un gourmet comme moi. Hein. Il n'a pas goûté le Viven. Hein. Ça, c'est... On achète local, c'est fait par une belle femme ici à 1 km de chez nous, donc on doit supporter un peu nos fournisseurs locaux. Ouais. Donc c'est pour ça le Viven, c'est ma bière préférée. C'est qui ça? C'est qui dit ça, un bon Orval? Non, on a Tommy, un bon Orval. Gérard Charlier, oui, ok. Ça. Tu connais? Oui. Ouais, moi sûrement aussi, mais... Gérard, toi, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas besoin de faire du weathering, parce que si toi, tu as un avion, après 2-3 vols... moi, j'en connais qui volent de mieux en mieux avec quelques Orval. Hein. Je ne vais pas faire de nom, mais il est en train de construire un gros spit aussi. Okay. Mais cool, Gérard, merci d'être là. Au plaisir. Qu'on se revoit autour du terrain, bien évidemment. Voilà. Ouais, écoute, comme ça on peut, dans le club chez nous, il y a plein d'Allemands, plein de Messerschmitt, donc on peut faire une patrouille. Hein. Donc on va une fois, l'autre caméra, on va voir ce que ça donne. Voilà. Oui. Okay. Ouais, c'est déjà autre chose quoi. Okay. Comment on fait pour avoir une, on voit ça ici, pour avoir un effet comme ça? Qui est dans un panel, à nouveau, mettez-vous un peu dans la situation. Il ne va pas commencer à rouiller, enfin un avion de chasse ne roule jamais, il ne va pas commencer à rouiller partout. Donc voilà, c'est une petite tache sur une petite aile qui commence à agir un peu. On va prendre notre petit cache. Hop. Et on continue. Et là, tu mets un papier juste pour le faire d'un côté. Juste pour avoir une ligne plus ou moins propre, parce que voilà, c'est pas forcément parce que cette planche, cette partie de métal commence à user que celle d'après va forcément le faire. Donc c'est pour ça que voilà, c'est ça qui, pour moi, qui donne un peu la différence et l'aspect. Je ne sais pas si vous suivez un peu jusque-là. Là, le jaune, c'est sec. Hein? Ah, mais c'est sec, oui. eu... Comme il y a des gens qui ont dit, avec un sèche-cheveux éventuellement, ça, ça sèche très très vite. C'est des couches très fines. Et, ça sèche vraiment assez vite et c'est aussi ça. Bah, il y a beaucoup de gens qui pensent que, vu que c'est à l'eau, que ça, ça va prendre des heures à sécher, mais c'est pas du tout vrai. Donc pareil, hein, quand l'effet n'est pas assez grand. Michel, Michel, j'ai compris, quand ton Avanti il sera là, je te mettrai une boîte de Viven, un cadeau box à côté, ça marche, j'ai bien compris. Bon, restons un peu nous sur le sujet. Ouais, pardon. Hop. Voilà. Donc, pourquoi pas, tant qu'on est là, pourquoi pas, mais à nouveau, n'exagérez pas. Hein. Je pense qu'ici on a compris, on en a fait. Je ne sais pas Bert, si tu veux ajouter quelque chose, mais enfin, si c'était pour moi, bah, non, ouais, c'est plus marche. Okay. Je vais essayer un truc. Oui. Juste. Non, non, c'est peut-être de trop ça. Ouais. Ah non, parce que ça c'est pas d'huile, c'est du vieillage. Ah. C'est pas la même chose. Écoute, tu fais ce que tu veux, prends-toi une couleur et fais-toi plaisir, c'est pas ça le plaisir. Ouais. Si ce sont des traits comme ça, bah, on va le faire. C'est plutôt l'huile qui fait des traits, pas l'aluminium. Ouais. Donc je me suis... Ouais, tu t'es amusé un peu. Ouais, voilà, comme ça je peux dire, voilà, comme il ne faut pas faire, il faut toujours montrer ça aussi, hein, comment pas le faire et comment le faire. Donc moi j'ai montré comment il ne faut pas faire. Nettoyer, ça c'est un truc extraordinaire, hein, le petit pot. Voilà, pour nettoyer, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que le bruit, le tremblement n'est pas trop... Oui, voilà, ça... Bah là, c'est la peinture à eau, donc si je prends un peu d'eau, je peux toujours l'enlever, hein, mais c'est toujours pas exagéré, donc ça marche. Quelque chose qui marche aussi, et ça c'est plutôt pour de l'huile. Et dans mes outils, j'ai toujours un peu de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, du laine de Gérard, au secours, du... Voilà, ça va arriver. Hein. Mais avec ça, c'est comme un papier de verre qui est très très fin. Et si on veut faire des traits, des traces, ça peut aider, ça donne un peu un effet... J'ai utilisé ça sur mon T33. En fait, un petit poteau à civrerie qui était tout d'un coup là, et mon aile bord d'attaque abîmée, et à ce moment-là, tu dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu de weathering dessus. Ouais, c'est pour ça. Donc, laine de fer, ouais, voilà. Laine de fer, merci. Ou paille de fer. Paille de fer, hein. C'est un pot pour purger, oui. Comment tu appelles ça? C'est pour nettoyer le pistolet, il a double action, hein, donc ici c'est bien fait en fait. Donc c'est pour reposer votre aérographe. Ici il y a un petit filtre dedans, parce que c'est vrai, quand on nettoie un aérographe, bah, ça part quand même partout. Quand c'est synthétique. Partout, surtout quand c'est synthétique. Et voilà, c'est pour ça. Je propose que... Est-ce qu'il y a moyen qu'on tourne un peu? Ouais, je vais juste encore faire un petit démo sur ça. Ok, on va faire encore une ligne. Hop. Quelques lignes. Pour la grâce de Dieu, ne faites pas l'erreur de... Pour vos panel lines, ne faites pas l'erreur de prendre un indélébile noir et passer dans toutes les lignes. Ça ne marchera pas. Il y a autant de tutoriels sur YouTube. C'est pas forcément toujours très beau. Certainement, voilà. Moi, j'utilise rarement le noir. Ici, j'ai trouvé un noir qui s'appelle un NATO Black, qui n'est pas vraiment un noir, comme vous voyez. Et essaye de toujours travailler dans des dans des tons gris, gris foncé, gris anthracite, ouais. Et ça fait l'affaire aussi. Moi j'ai rajouté sur mon T33 un peu de brun, brun très foncé, donc c'est un peu entre gris, brun, oui, oui, pour avoir ça, un effet d'huile. Ouais. Ouais. Donc quelque chose que je vais encore vous passer, je l'ai utilisé comme papier brouillon, mais ouais. Pour cacher, pour faire du masque, il existe aussi ça, c'est du liquid masking tape, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais ça se trouve en... ça vient des gens qui font de la peinture à l'eau, des artistes. En fait, c'est un genre de peinture, une gomme, un masque, mais liquide. Hein, donc ici, j'ai tous mes tâches, on ne voit pas très bien. Mais, donc on voit ça, oui. Attends, on va le là, voilà. Ouais. Donc c'est cette trait-là. Donc c'est simplement appliqué avec un pinceau. On va passer de la peinture dessus. Voilà, on laisse un peu sécher. Comme ça je peux vous montrer le résultat. Si vous n'êtes pas très sûr et vous voulez cacher, hein, c'est vrai que moi je fais beaucoup de en main libre. Mais si vous voulez cacher quelque chose, ben voilà, utilisez ça. Et une fois que la peinture est sèche, comme c'est le cas, ben en fait, ça, voilà, ça s'enlève. Ah ouais, okay. Comme ça. Ouais. Et voilà pour un effet, pour une, on voit ça. Voilà. Ouais. C'est vraiment très utile pour des petites tâches, pour des, voilà, il y a. Ouais. Comme JP dit, ouais, on peut faire aussi l'inverse, d'abord mettre la couleur métallique, l'autre peinture dessus, mais ça c'est l'autre oui. Façon qu'on a montré la semaine passée et qu'on va finir la semaine prochaine. Ouais. Donc, ouais. Ici je ne l'ai pas fait pour la simple raison que le jaune, Tamiya, c'est pas très dominant comme couleur, donc si je mets d'abord l'effet métallique, et je passe au-dessus avec le jaune, bah, je dois pouvoir mettre beaucoup de couches en jaune, que ça devient un peu égal et homogène. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc ici, bah, voilà, simplement, c'est parti. Et c'est parti, on prend des lignes, je vais faire des quelques petites, voir si... Ouais, comme ici, double action, encore la question. Voilà, Tommy, il peut mettre d'abord de l'air et puis tu choisis donc, la peinture. Hein. Pour ceux qui ne sont pas très, très dedans, je pousse, il y a de l'air et en fonction de que je tire, bah, il y a de la peinture. Ces aérographes aussi, ils ont un limiteur, donc si au début vous n'êtes pas très sûr et vous voulez, vous voulez avoir une pression ou un flux de peinture beaucoup plus stable, homogène, plus stable, bah vous limitez le mouvement vers l'arrière. Ouais. Donc la première action c'est de l'air, deuxième action peinture. Hein. Ouais. Et c'est parti. Au début on ne voit rien du tout, mais à fur et à mesure ça commence. Et à nouveau, contrôlez, pas de trop. Un peu plus dans le coin, dans l'angle. Voilà. Ouais, donc on est fait plus régulier, c'est vraiment mieux, gérer la peinture. Ouais, voilà. Maintenant, ça c'est un peu à vous de voir. Ici, il y a plutôt un effet optique qui n'est pas forcément correct parce que normalement, bah voilà, la saleté et de l'huile vient de taper dans le creux et c'est que par après qu'on va avoir des taches. Ici, je mets un peu autour parce que voilà, je trouve que ça a un effet un peu plus. Voilà. Sont aussi des avions qui vont faire des passages à 20 mètres de vous, donc il faut exagérer un peu dans l'effet. Mais en effet, si vous voulez vraiment jouer le jeu comme c'est, bah, en fait, voilà, on met un petit masque. Ouais, comme vous dites, 4-5 bars, c'est beaucoup. Ça dépend surtout le pistolet, je pense. Ça dépend du pistolet, ça dépend aussi un peu votre façon de comment et de ci et de ça. J'utilise souvent plusieurs aérographes. Ici, on a un tête de 0.5 qui est plus que middle of the road. Donc, on peut y aller partout avec ça. Maintenant, plus fin le nozzle, pour avoir un beau effet, il faut mettre plus de pression. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de mettre ça. Je pense, en général, ouais, moi je suis aussi plutôt vers les deux barres. Mm-hmm. Et Yann aussi, il était vers deux barres. Mm-hmm. Peut-être la peinture plus fluide. C'est vrai, moi je suis très... très subtil dans mes mouvements. Mm. C'est peut-être pour ça que je peux me permettre d'avoir un peu plus de barres et doser la peinture. La peinture ne vole pas partout, comme vous voyez ici, il y a mon portable juste à côté, donc je vois toujours l'écran, non, ça marche. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être le pistolet qui est un peu, ou le nozzle qui est plus fin, qui prend un petit peu plus de pression. Mais et ça sèche direct. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Hein. Voilà. C'est un peu comme... C'est personnel, c'est personnel. Donc ici, en effet, on peut être un peu libre dans tout qui est warbird, dans tout qui est weathering. Faire ton hélice, comment tu fais ça, Tommy? Ah oui, bah, j'ai fait pareil, hein. C'est avec mon petite éponge, donc je sais donc, oui, bah, je sais pas... J'avais dû le montrer, on va tourner un peu. Tu as déjà fait tous les... Non. Non, justement j'ai fait la moitié. Voilà. Donc, oui, bah ici on voit, notamment sur celui-là, on voit, mais c'est pareil, hein, donc un peu d'aluminium, un peu d'éponge, et que ça, à nouveau, soyez logique, le plus d'usure va être ici, parce que le propre, bah, il a le plus de vitesse là, donc il a un peu plus ici, un peu moins là. C'est ça que je pense qui donne la différence et comment dire, le détail. Bon voilà. Je ne sais pas ce que je peux encore faire mieux, mais je peux faire tout l'avion, mais les techniques de base, ça reste toujours pareil en fait. Voilà, parfait. Ici, bah, c'est comme j'ai dit, hein, on peut vraiment être libre. J'avoue, sur le F-16 derrière nous, je pense qu'il y a 300 mètres de tape dessus, hein, pour cacher, pour chaque ligne, pour ci, pour ça. Voilà, nickel. L'avion en tout cas sera aussi dans notre showroom. On va faire des photos après, non? Oui. Ça dépend. J'ai déjà vu des gens qui vont faire une offre ici. C'est le 349 Squadron qui veut bien l'avoir pour dans leur cantine. Donc peut-être un marché à faire avec eux. Allez, très bien. On verra bien. Nous, on en fait plusieurs. Super. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore des questions. En tout cas, aussi, je dis, il y a la vidéo de la semaine passée en néerlandais avec une autre technique, avec la peinture synthétique. Et avec d'abord la couche en métal et puis la peinture dessus. Et puis ça, on va finir la semaine prochaine aussi. Ouais, Jean-Philippe qui demande comment enlever le tape. Bah, c'est ce qu'on a dit. Il y a, en Tesa, tu as différentes grades d'addition. Tu prends le plus faible en fait, qui colle très peu, et là tu l'enlèves sans enlever la peinture, quoi. Ouais. Bon voilà. Oui, Jérémy, vous êtes toujours le bienvenu dans le magasin. J'espère que fin d'année on peut de nouveau faire un Christmas shopping. Ça c'est un week-end formidable. C'est 3 jours de fêtes, des promotions. Une grande tonnelle à côté de notre magasin, un food truck, des bonnes bières. Tu roules jusqu'à Paris et puis tu vas sûrement trouver des copains qui vont venir avec toi. Hein? Donc synthétique, c'est base acétone. Non, c'est pas d'acétone. Hein? Tu peux diluer avec du diluant synthétique. Ouais, c'est diluant synthétique que tu trouves même dans Brico, dans Monsieur Bricolage, tu trouves presque partout. Donc c'est le choix du tape qui est important, ouais, en effet. Les tapes jaunes, ça, les bandes fines, on a en deux tailles dans le magasin. Tu peux trouver sur notre site, si tu ne trouves pas, on peut mettre le lien ici en dessous. Et puis le Tesa, ça aussi tu trouves dans le brico ou dans le magasin de bricolage chez toi normalement. Et voilà. J'essaie de regarder un peu la question, ouais. Si on peut encore répondre à quelque chose. De quelle marque le Spit? Ça c'est le Spit de Freewing ou de Flightline. Je ne sais pas si on en a encore de stock parce qu'ils sont partis assez vite. Mais ça c'est une très beau taille. Il y a en Warbird, il y a aussi le P51 de chez E-flite qui est très beau. Avec Beu, bah, ton fils il en a un, ça vole très très bien. Ouais. Et il y a le nouveau Focke-Wulf qui va sortir de chez E-flite, qui est juste annoncé la semaine passée. Bien sûr ça, ensemble avec le Spitfire de chez nos copains de Freewing. Superbe avion qui vole sur du 6H, si je ne me trompe pas, vers les 5000. Donc ouais, superbe qualité, très bon moteur, variateur, Roboeing dedans, des bons cerveaux, c'est quelque chose qui est correct, quoi. Et à nouveau, c'est une façon de personnaliser votre avion, faire de l'aérographe, si ça vous tente et vous êtes toujours un peu hésitant au niveau prix. Peut-être une fois montrer encore votre superbe F-16. Oui, laisse pas tomber. Je vais faire un peu de place, voilà. Si tu peux nous le montrer, Tommy. Ouais. Là aussi, hein, vu que... Voilà. J'aime toujours bien ajouter petite touche de réalité ce qui s'est passé. J'ai de la chance que pour mon travail, je dois faire assez de shows aériennes pour prendre des images de référence. J'étais une fois avec Gauthier à un show en Pologne d'ailleurs. Là, on a rencontré... le capitaine Vador, on a sympathisé un peu, il était bien avec Gauthier, et on a dit, ben voilà, pourquoi pas faire un copie de son avion, ce qu'on a fait, c'est déjà le troisième, le premier on l'a offert au club de Bullingen. Et aussi des stickers imprimés sur mesure. Ça, mes amis, une bonne nouvelle, bientôt on va investir dans une machine pour imprimer, pour faire des autocollants sur mesure et couper. Donc c'est un service qu'on va bientôt offrir aussi, surtout avec des stickers de base pour les avions Extreme Flight, mais aussi des trucs sur mesure. Ce sera tout possible chez Aerobertix bien sûr. Entre temps, il y a quelques questions encore. Filtre à eau sur le compresseur? Oui, c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne remarque en fait. C'est intégré et c'est bien de temps en temps. Ça doit être plus ou moins automatique de pousser un peu sur le petit bouton pour évacuer de l'eau. C'est toujours de pression à haute vitesse, donc ça veut dire l'humidité fatalement. Et ça se peut que ça se met dans le tuyau et que vous allez avoir des éclats d'eau. Pour JP qui demande pour faire des cocardes, moi je les ai fait à l'époque sur mon Spitfire directement aussi. J'ai coupé des cocardes en... Oui, tout à fait. Maintenant, et puis, tu fais couche par couche, je ne crois pas de nouveau qu'il faut mettre une couche de base. Hein. Non, moi j'ai pas fait à l'époque. D'ailleurs, pourquoi vous compliquez la vie en faisant des masques, fait un simple autocollant, commande-le, collez-le et ça passe aussi. Je ne l'ai pas mis sur le Spitfire parce que j'attendais en fait les bonnes immatriculations que je n'ai pas eu à temps de Jeff Moreau. Mais c'est tellement compliqué de mettre du texte ou des logos en aéro, pour cacher, pour ci et pour ça. Vous connaissez sûrement tous quelqu'un dans votre entourage qui est un peu fort en Photoshop ou en Illustrator. Il vous sort un autocollant, vous le commandez. Bientôt on peut le faire ici. Et voilà, vous avez un avion formidable. Ouais. Faut pas se compliquer là. Et pour les peintures, ouais, mixer, mélanger les peintures de base. Il y a, je dis, chez Vallejo, il y a au moins 200 sortes de couleurs. Impossible. Allez, pour nous, on ne va pas faire les 200 couleurs, mais vous faites vos propres mélanges, c'est toujours bien possible. Et honnêtement, c'est comme je dis, hein, essaye d'éviter un peu le noir pur. Ouais. Parce que ça c'est très agressif, gris foncé, rester dans des tons, et Vallejo a des sets tout près, Warbird, World War II, où vous avez plusieurs dégradés de gris, et je peux dire qu'il y en a, et avec ça vous allez déjà très très loin. Ouais. Les petits aérographes, encore Gérard qui demande, c'est à partir de 119 €. Mais ceux avec un réservoir, il faut compter vers les 180. Et là, c'est tout complet avec le filtre à eau, avec le pistolet. Tout est fourni avec. Tu les trouves. On a après ici un petit lien avec un code de réduction sur tout ce qui est Fengda. Il y a 10% pour tout le monde qui a regardé avec le voucher qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, je pense qu'on a presque tout vu. La semaine prochaine, on a encore une session en irlandais avec Yann qui va finir ici le LA7 derrière, et c'est aussi son Rafale qui est derrière. Donc vous êtes toujours le bienvenu pour nous rejoindre la semaine prochaine, c'est en irlandais. Un grand merci Tommy pour être venu de Virton jusqu'ici, ça fait quand même une belle route. Ah oui, si je veux être rentré pour le couvre-feu, bah, je dois rouler à 300 à l'heure. Ouais, 300 à l'heure, ouais, peut-être tu prends ton F16. Hein. Oui. Voilà, un grand merci pour tout le monde d'être présent ici. Et voilà, ici j'ai normalement... Ups, attends un peu, pas de musique. Voilà, merci de nous avoir rejoints. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat ou par Facebook, Facebook France, comme ça c'est Vicon qui vous répond. Et avec le code FENGDA10 sur le site, vous avez le droit de 10% de ristourne sur tous les produits aérographes de Fengda. C'est valable ce soir, aujourd'hui, demain et mercredi. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube. Toutes les semaines, on a des trucs intéressants, une semaine en français, une semaine en néerlandais, des fois en anglais. Donc j'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Et un grand merci et à très bientôt, messieurs. Ciao. Ciao, ciao.